moi, le maire Mathis, magasin Montargis en menuiserie. Et moi, Jessica Moret, et je suis pareil à Montargis, mais au secteur SO. J'avais commencé les marchés à 15 ans, donc la proximité client, je l'avais déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre mes études, mais en alternance. Donc là, pour le moment, je suis en bac pro commerce. Ensuite, partir sur un BTS, une licence et un master par la suite. J'étais pas du tout dans le secteur du BTP. J'ai des diplômes qui n'ont rien à voir avec le commerce. Donc j'ai décidé de me reconvertir aussi de même dans l'alternance. En toute honnêteté, j'avais pas d'image spécifique de Bricoman. C'est vrai que je passais devant des enseignes, mais ça m'interpellait pas. Alors personnellement, pour le coup, Bricoman, je ne connaissais pas du tout. Bricoman, c'est la bonne école et je pense que c'est un bon lieu pour pouvoir apprendre tout en restant soi, parce que les valeurs de l'entreprise, c'est de rester soi-même et d'être fidèle à ses principes et ses valeurs. Et en général, c'est comme ça qu'on arrive à se faire une place dans l'enceinte du magasin à travers n'importe quelle équipe. Et oui, on est très bien accompagné, on a beaucoup de débouchés. Et ce que Bricoman propose aujourd'hui à ses alternants, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouvera dans beaucoup de grosses entreprises. L'alternant, il est très considéré et c'est très plaisant. On se sent pas comme un alternant en fait, on se sent comme un employé lambda. Pour le coup, non, on est au même niveau que les autres en fait. Et c'est ça qui est bon et qui est plaisant. C'est très valorisant. S'il y a une opportunité à apprendre chez Bricoman, il faut l'apprendre. Il y a un beau potentiel au final derrière. Et je pense que s'il y a une opportunité qui se donne à nous par rapport à Bricoman, il faut la saisir et pas hésiter.